Le centre de réadaptation professionnelle Ferré du Lombois, à Limoges, est un établissement public de formation professionnelle, mais avec une vocation spécifique. C'est un centre qui a été créé en 1939 sur Limoges pour accueillir et former des mutilés de guerre à l'époque. Bien évidemment, les activités ont évolué et nous avons des formations diplômantes, mais aussi des formations qualifiantes, qui sont destinées notamment, essentiellement, à des travailleurs handicapés. Ça peut être un handicap physique, mais ça peut être aussi un handicap psychique, psychologique. Donc notre centre est aujourd'hui un centre de réadaptation donc médico-social. Il y a 9 écoles en France, et chaque école ou chaque centre a ses spécificités. Chaque centre, bien sûr, est spécialisé dans l'accueil des travailleurs handicapés, mais les formations, bien évidemment, sont différentes d'une école à une autre. C'est vrai qu'ici, quand je suis arrivé, avec le moral un peu défaillant, on a perdu un peu son assurance, on s'est retrouvé dans une structure qui nous encadre vraiment très bien et où il y a une formation vraiment de qualité. Et il y a un suivi, les professeurs sont soucieux de votre confort et psychologique et physique avec une prise en compte des pathologies, mais c'est surtout aussi avec une formation de qualité qui rassure. On se sent porté, pendant 2 ans la formation est très bonne et on est porté jusqu'à l'examen dans de bonnes conditions pour une réussite et puis pour envisager aussi le travail après. On reprend plein de choses, on reprend une vie, on retrouve le sourire, on retrouve un peu d'espoir sur la suite en fait. Et voilà, on passe sur une nouvelle vie. Et puis maintenant, on verra dans 2 ans. On a des professeurs de l'éducation nationale qui sont en détachement actuellement sur certaines matières, mais on a de plus en plus aussi de contractuels de la fonction publique hospitalière, donc qui sont des employés, des salariés de l'EPNAC. Hein, donc c'est la fonction publique hospitalière. Et on a quelques enseignants aussi qui sont détachés de l'éducation nationale. Et nous avons aussi des prestataires, hein, des professionnels qui interviennent ponctuellement. Par exemple, si je prends la CFAO, nous avons un prestataire, donc un prothésiste dentaire, qui vient 2 jours et demi par semaine pour notamment former des stagiaires sur les techniques modernes donc de la prothèse dentaire. Par rapport aux préparations en fait, auparavant par les dentistes, on vient ici pour modéliser 7 grands. Une fois fini, on lance l'usinage là-bas. C'est l'ordinateur qui est en train de faire ses calculs vis-à-vis de l'usinage pour calculer les axes, pour calculer quelle fraise elle va utiliser, dans quelle position la machine va se mettre. Un rendu comme ça sorti de l'usinage. Et après, à partir de là, ça, on peut commencer déjà un pré-teintage. Et après, ça va passer en frittage, donc en cuisson entre on va dire 6 et 10 heures. On a la chance d'avoir ces formateurs. C'est nos formateurs, c'est aussi des confidents, c'est aussi... on retrouve quelque part un peu une famille. Et puis moi j'ai tous mes collègues de formation, où on est vraiment proches les uns des autres. Donc on a de la chance d'être là. L'école accueille environ 180 stagiaires venus de toute la France pour 7 formations diplômantes d'une durée de 21 mois, précédée si besoin d'une préformation de 6 mois. Formation phare aujourd'hui, je dirais, ce sont les BTS, comptabilité gestion et BTS optique lunetterie, où le taux d'insertion ou de l'employabilité est quasiment très important. Pour les BTS comptables, il y a les 90% d'insertion garantie. Pour l'audioprothèse, on a une section qu'on a montée depuis maintenant 2 ans. Nous avons 7 stagiaires qui apprennent notamment le métier d'assistante, assistante médico-sociale avec option audioprothèse. La journée porte ouverte de l'école est l'occasion de découvrir les formations proposées et de rencontrer d'anciens stagiaires. On se dit toujours, avec le handicap, c'est toujours un paradoxe, mais on se dit toujours comment demain on va pouvoir aborder la vie avec toute la concurrence et tout. Je veux dire, il y a des panels de personnes jeunes ou moins jeunes qui arrivent, qui ont ce super diplômé, super professionnel, dont toujours la question est, par exemple avec un bac pro, comment on va pouvoir envisager la vie professionnelle. Et c'est ce que je leur disais, moi j'ai eu un poste de proposer après mon bac pro ici à la SNCF,
et j'aurais jamais imaginé. Alors je leur disais que leur peur était légitime, mais qu'en l'occurrence, il fallait absolument qu'ils gardent l'agnac et qu'ils gardent la foi en ce qu'ils faisaient et qu'ils y croient, et que handicap ou pas handicap, c'était aussi une façon d'aborder la vie avec la positive attitude. Donc c'est vrai que je suis venu pour les booster, pour leur montrer que ça marche. Puisque moi j'en suis la preuve, hein. Après j'ai eu un cursus après et des opportunités, mais oui ça marche, donc c'est important aussi de les remotiver, parce que c'est légitime de se poser des questions. L'école ne s'arrête pas là dans son offre de formation, elle est en cours de développement de partenariats avec les autres organisations de formation comme l'AFPA.